Je voudrais d'abord et avant tout exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation à mon frère, son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sissi, à son estimé gouvernement et au peuple d'Égypte pour l'accueil commun fraternel et chaleureux. Il me plaît également de souligner toute notre reconnaissance pour les commodités offertes et les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet depuis notre arrivée dans cette grande cité lumière qu'est le Caire. Je tiens également à saluer le leadership égyptien et à féliciter les autorités égyptiennes pour avoir pris l'initiative de ce sommet réunissant les pays voisins du Soudan et pour les efforts fournis dans la parfaite organisation de nos présentes assises. Cette rencontre nous permet de nous pencher sur la situation extrêmement préoccupante que traverse le Soudan depuis le déclenchement des hostilités entre les parties belligérantes et d'examiner ensemble les voies et moyens de sortie de crise. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour exprimer notre infinie gratitude pour l'invitation qui nous a été adressée et à la faveur de laquelle le Tchad participe aujourd'hui dans ce sommet consacré à cette crise qui affecte le Soudan, mais également tous les pays voisins. Le Tchad salue vivement la tenue de cette rencontre importante qui intervient dans un contexte marqué par les multiples et multiformes conséquences de la guerre fratricide au Soudan. Mon pays, le Tchad, apportera tout son concours à la pleine réussite des conclusions auxquelles notre sommet aboutira et à toute autre initiative visant à appuyer les efforts de règlement pacifique de l'affrontement au Soudan et privilégier le dialogue entre les parties en conflit dans ces pays frères, amis et voisins. Excellences, Mesdames, Messieurs, les affrontements qui se déroulent au Soudan constituent pour mon pays, mais aussi pour tous les pays voisins, une grande source d'inquiétude. Le Tchad n'a cessé de déplorer la détérioration de la situation, la destruction des édifices publics, les attaques contre les civils innocents, le ciblage des établissements de services sociaux de base. À cet égard, j'en appelle à une recherche commune et active de solutions rapides et appropriées pour la provision des secours d'urgence afin de remédier au manque de nourriture, des médicaments et d'équipements médicaux pour atténuer les graves pressions de la crise sur les civils innocents. Les pays voisins du Soudan que nous représentons doivent mettre en synergie leurs efforts et soutenir les initiatives internationales pour la résolution de la crise soudanaise, notamment celle de l'Union africaine, à travers la mise en place des mécanismes élargis sur le Soudan et celle entreprise par la Ligue arabe. Excellences, Mesdames, Messieurs, mon pays, le Tchad, subit déjà les conséquences de la grave situation née de la crise en cours au Soudan. En une semaine, à l'est du Tchad, le Tchad a accueilli plus de 150 000 personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, fuyant le combat pour trouver refuge en terre tchadienne. Ces vagues sont venues s'ajouter aux 600 000 réfugiés soudanais déjà installés au Tchad depuis 20 ans suite à la crise du Darfour. Le fardeau que représente ce grand nombre de réfugiés sur nos modestes ressources est indéniable. Cependant, nous répondons à notre devoir de fraternité
en faisant contre mauvaise fortune bonne volonté dans l'accueil de nos frères soudanais qui cherchent un havre de paix au Tchad. En effectuant récemment une visite à la frontière est du Tchad pour constater de visu les réalités dans les villes frontalières et camps qui abritent les réfugiés, j'ai été profondément ému devant l'ampleur du drame vécu par les enfants et les femmes qui ont dû tout abandonner pour sauver leur vie. Ces personnes vulnérables doivent vivre en paix dans leur pays, entourées de leur famille. C'est justement pour éviter cette guerre et ces tristes conséquences qui touchent la région tout entière que nous avons reçu au Tchad les deux généraux soudanais en conflit aujourd'hui, bien avant le déclenchement de la guerre. Nous avons maintenu le contact avec eux et nous les avons appelés à maintes reprises au cessez-le-feu et à choisir la voie de pourparlers pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue leur pays. Notre démarche visait à l'origine à éviter la guerre au Soudan. Et depuis que la guerre est lancée, en dépit de nos approches de prévention, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de la recherche d'une solution rapide pour éviter que la guerre s'installe dans la durée. Nous restons convaincus de la pertinence de notre démarche et nous appelons les pays limitrophes qui subissent les conséquences néfastes de cette guerre à une plus grande implication en faveur des règlements pacifiques et du retour de la sérénité au Soudan sans se glisser dans une ingérence outre mesure. Dans la même veine, nous appelons la communauté internationale à prendre la pleine mesure de l'ampleur de la crise humanitaire qui découle de la situation soudanaise. Les agences humanitaires doivent en toute responsabilité porter à temps toute l'assistance nécessaire à ces réfugiés laissés pour compte. Excellences, Mesdames, Messieurs, en conclusion, la cessation immédiate des combats et toutes les formes de violence, l'application d'un cessez-le-feu durable, la formulation d'une solution politique juste et globale impliquant tous les Soudanais est une question de survie pour le Soudan en tant que peuple et en tant qu'État. Les espoirs et les aspirations légitimes du peuple soudanais en matière de sécurité, de prospérité et de stabilité n'ont pas de prix. Il y va aussi de l'intérêt supérieur de tous les pays de la région.